Ravi de vous savoir au rendez-vous de notre grande édition du soir sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. Le cercle des militants du parti Bloc Républicain continue de s'élargir. Nous parlons ainsi d'une nouvelle adhésion à ce regroupement politique. Il s'agit d'un groupe de personnes handicapées dénommées PHT 21. Et les nouveaux venus disent partager les idéaux du parti et entendent faire chemin ensemble pour le compte de la présidentielle prochaine. Vous les entendrez dans ce journal. Et justement, à 2 mois de cette échéance électorale, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, vient de dépêcher une mission préélectorale au Bénin. Une mission forte de 6 personnalités, dont le président de la commission de l'organisme sous-régional et qui a foulé le sol béninois dans l'après-midi d'hier. Jeudi, à leur descente d'avion, les membres de la délégation ont été reçus en audience par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbenonci. Vous les écouterez dans un instant. Et puis en fin de journal, nous parlerons culture avec l'artiste international de la musique Singela qui sera en concert ce week-end à Cotonou. Le dit concert est prévu pour demain samedi et dimanche et sera couplé avec le lancement officiel de son nouvel album. En prélude à l'événement, l'artiste a animé une conférence de presse dans la mi-journée de ce vendredi pour tenir informé le public. Nous ferons le point de cette sortie médiatique dans un instant. Voilà pour le sommaire. Bien bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous vespéral de l'actualité. L'actualité, vous le savez, c'est l'élection présidentielle d'avril prochain et pour cette compétition électorale, le plateau des candidats vient d'être connu. De la vingtaine de candidatures enregistrées par la Commission électorale nationale autonome Sénat, eh bien, 3 ont été retenus. Il s'agit des duos Alassane Soumanou, Djemba Paul Houpé de la FCBE, Patrice Talon, Mariam Talata de la coalition au pouvoir et Irénée Agossa, Corentin Corré, qui va en tant qu'indépendant. Nous y reviendrons avec beaucoup plus de détails dans nos prochaines éditions. Politique encore avec le parti Bloc Républicain qui vient d'enregistrer une nouvelle adhésion. Il s'agit d'un groupe de personnes handicapées dénommé PHT 21. Eh bien, les nouveaux venus disent surtout partager les idéaux du parti et entendent faire chemin ensemble pour le compte de la présidentielle prochaine. Eh bien, tout s'est déroulé au siège du parti hier jeudi à la faveur d'une cérémonie que nous résume ici Wahab Ali Para et Rachidi Soubérou. Le Bloc Républicain, qui se réclame parti de l'inclusion, en donne davantage la preuve. Le parti, à travers sa cheville ouvrière des jeunes que constitue l'OJBR, ouvre ses portes au groupe des personnes en situation de handicap dénommé PHT 21. Je voudrais déjà vous demander d'être rassurés que nous ferons désormais chemin dans la fraternité et sans discrimination. Vous serez associés pleinement à l'animation de l'organisation pour qu'ensemble, dans la détermination et l'engagement, nous puissions porter haut l'étendard du cheval blanc. Soyez sereins, sentez-vous en sécurité car vous êtes chez vous. Nous vous promettons que ce choix que vous venez d'opérer ne sera jamais un regret. Ce groupe que les gens distinguent aussi facilement dans la société est un groupe que nous devons désormais travailler à rendre homogène dans la société. Et ce sont des hommes comme nous, et comme au Bloc Républicain, nous ne faisons pas de la discrimination, nous avons décidé de les accueillir dans notre structure de masse qui représente la structure fêtière même du parti. Et vous savez aussi que nul ne peut écrire ou dire leurs problèmes mieux que eux. Donc les recevoir aujourd'hui en notre sein, loin de créer une différenciation, ça nous enrichit, ça nous complète. Le groupe PHT 21 fonde ses motivations sur le bilan qualifié d'élogieux du régime de la rupture et des idéaux prônés par le parti du cheval blanc cabré. Au vu de ces réformes, au vu de ces constats, au vu de ces dispositions, avec l'espoir que la vie au Bénin soit de plus en plus inclusive avec le régime actuel, nous, membres du mouvement PHT 21, proclamons librement et affirmons notre totale appartenance au Bloc Républicain. La position du Bloc Républicain sur la question d'adhésion et tout nous amène à dire à prôner l'égalité sans discrimination, c'est-à-dire
que ce n'est pas parce que quelqu'un est handicapé que son droit doit être moins que celui qui se porte bien. Et ce n'est non plus une raison d'être handicapé pour revendiquer un droit plus que quelqu'un. Nous sommes tous des militants au même degré et nous faisons les mêmes missions. Nous sommes traités de la même façon. C'est pour ça que votre adhésion nous fait plaisir parce que, bon, vous prenez appui sur ce qui vous lie ensemble pour dire nous voulons réfléchir ensemble et être au Bloc républicain. Le groupe PHT21 a désormais ses valises au Bloc républicain et s'engage à faire chemin ensemble avec le reste des militants afin que progressivement la discrimination devienne un souvenir lointain. Voilà, du renfort donc pour le Bloc républicain. Nous allons rester avec Wahab Ali Para pour parler encore politique. Et cette fois-ci, nous allons évoquer cette sortie médiatique des membres du groupe parlementaire du parti Union Progressiste. Ils étaient devant micro et caméra hier jeudi pour apporter des clarifications à certaines allégations des membres du parti Les Démocrates. Allégations distillées dans l'opinion 24 heures plus tôt à la faveur d'une conférence de presse. Et du coup, ces parlementaires ont résumé en 6 points leur récrimination contre le parti de l'opposition. Voici la substance avec Augustin Amwavoyebla. Il est le président de ce groupe parlementaire. Nous ne vous aurions pas fait appel une deuxième fois en une semaine s'il n'y avait pas eu une énième provocation des responsables du parti Les Démocrates. Apprécions ensemble certains de leurs propos. Il est difficile à leurs militants et journalistes de se rendre aux activités de leur parti, disent-ils. Peuvent-ils citer le nom, ne serait-ce que d'un seul de leurs militants ou journalistes qui serait empêché d'aller à une de leurs réunions? Leur point de presse tenu hier sans accroc n'est-il pas un démenti sanglant à cette allégation gratuite et fallacieuse qui en elle seule vide de toute sa substance leurs propos? La réalité est que la liberté d'expression est consacrée par la loi fondamentale de notre pays et le gouvernement du Bénin s'emploie à la garantir tous les jours. À ce jour, nous n'avons aucune preuve des allégations de cette frange de l'opposition qui avance des informations sans aucune preuve tangible. Le pouvoir de la rupture gruge et terrorise les populations, un autre de leurs propos. Sur quelle base les affirmations se fondent-elles? Comment l'État gruge-t-il les populations? Tout le monde n'est pas amnésique dans le pays où nous avons la preuve que dans un passé récent, la déperdition des finances publiques était palpable puisque les réalisations qui ont cours aujourd'hui en apportent la preuve. Troisième propos venant d'eux. Des menaces réelles pèsent sur notre pays. Enlèvements ciblés, des arrestations sélectives, etc. Chers journalistes, quand on est en position de dirigeant politique avec la moralité et l'éthique nécessaires et qu'on aspire à diriger, on n'avance pas des propos aussi graves sur son pays avec autant de légèreté. On a besoin d'avoir de la retenue et disposer de la preuve de ces allégations. Quatrième propos grave. Gesticulation et de mépris des responsables de l'UP au sujet du parrainage. Où se trouve le mépris pour la morale et l'éthique politique? Dans le fait de dire que le parrainage n'est pas portable mais curable. C'est une vérité universelle que les responsables du parti des démocrates feignent de ne pas internaliser. Qui vous disent, chers journalistes, un seul pays au monde qui pratique le parrainage des élus dans son système électoral et où c'est le parrain qui est obligé de courtiser le potentiel candidat à parrainer. Tantôt, on leur a refusé le parrainage. Tantôt, même si on le leur donnait, ils ne le prendraient pas. Tantôt encore, ils ont instruit leur duo magique à aller déposer leur dossier sans parrainage pour prouver leur volonté de compétir. Cinquième propos, agression de Galiou Soglo, notre cher compatriote.
Nous ne saurions nous réjouir de l'atteinte à l'intégrité physique de notre compatriote Galiou Soglo. Mais nous sommes davantage heurtés par la récupération politique que les démocrates veulent en faire sans aucun respect pour la vie et la dignité de la personne humaine. Le gouvernement du Bénin ne les a pas attendus avant d'ouvrir une enquête judiciaire contraire à leurs pratiques antérieures. Nous n'avons aucunement l'intention de boycotter les élections, disent-ils. Malheureusement, les faits démontrent le contraire des propos, puisque nos frères d'en face ont rejeté toutes les mains tendues du chef de l'État, Patrice Talon, et de toute la mouvance depuis la renonciation par Éric Houndé en mars 2019 de sa propre signature et la cessation des actes et des comportements anti-républicains dont le seul objectif est de travailler à la fissuration du tissu social. En résumé, nous, les députés de l'Union progressiste, avions décidé désormais de réagir à leurs mensonges, aux intoxications, intimidations et menaces, afin que nul ne se méprenne sur leur intention réelle. Voilà, c'était la réplique de l'Union progressiste au parti Les Démocrates. Nous allons prendre la direction de Parakou, au nord du Bénin, pour évoquer cet atelier initié par la Fondation Konrad Adenauer en collaboration avec le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique en cette veille de l'élection présidentielle de 2021. Justement, les réflexions tournent autour du thème renforcement des capacités des officiers de la police républicaine en matière de gestion de la sécurité publique en contexte électoral. Objectif, prévenir la violence électorale et surtout œuvrer pour l'enracinement de la paix au Bénin. Voici les détails avec René Soglo. Prévenir la violence électorale et contribuer à l'enracinement de la culture de paix et de sécurité au Bénin. C'est l'objectif de ce séminaire de renforcement de capacités en matière de gestion de la sécurité publique en contexte électoral par les officiers de la police républicaine. Ce cadre de formation vient à point nommé dans la mesure où la bonne sécurisation d'une élection est un vecteur de prévention de la violence électorale et de consolidation des acquis démocratiques. Le Bénin a toujours été identifié comme le laboratoire de la démocratie. Cette image de marque de la nation béninoise doit être préservée. Les élections constituent encore l'un des premiers facteurs de la violence et conflit sur le continent. C'est là tout l'intérêt de cet atelier qui vient outiller des acteurs clés du processus électoral. Dans quelques semaines, les électeurs béninois sont appelés aux urnes afin d'élire le président de la République. La Fondation Konrad Adenauer entend jouer sa partition. Au total, 52 officiers de la police républicaine en situation de poste ou de commandement, ainsi que 8 élus locaux, bénéficieront de cette formation, d'autant plus que leur responsabilité en période électorale est d'une grande délicatesse. Plusieurs communications sont prévues dans ce sens, notamment la gestion de la sécurité publique en période électorale et les responsabilités induites par les nouvelles dispositions du code électoral. Les autorités béninoises saluent ce séminaire itinérant. Les forces de sécurité et de défense, pour mieux assumer leur mission, ont besoin d'un renforcement de capacités liées au cadre juridique des élections. Après les regrettables difficultés liées aux législatives de 2019, nous avons aujourd'hui un défi commun à relever, celui d'organiser une élection présidentielle juste, transparente et apaisée, avec les moyens, expérience et compétences dont nous disposons. C'est désormais comme une tradition. À part le programme pour le dialogue Afrique subsaharienne, CIPODI, la Fondation Konrad Adenauer a toujours contribué à plusieurs initiatives gouvernementales au Bénin. Depuis plus de 30 ans maintenant, elle œuvre à promouvoir la démocratie et à professionnaliser davantage les forces armées et de sécurité publique. Un compte rendu signé René Soglo. Retour à Cotonou et place à la 6e édition du traditionnel dialogue politique entre le Bénin et l'Union européenne. Après les échanges dans la matinée d'hier jeudi, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération a fait le point des travaux dans l'après-midi. C'était à la faveur
d'un point de presse au cours duquel le patron de la diplomatie béninoise a affirmé que ces assises viennent raffermir les relations de coopération entre les deux parties. Aurélien Benossi. Vous savez que votre pays, le Bénin, va avoir une élection présidentielle le 11 avril. Et conformément à nos dispositions, nous devons faire une mission préélectorale d'évaluation. L'objectif étant d'aider... Voilà, les doigts de mon réalisateur qui l'ont certainement trahi. Je vous disais qu'on parlait de la sixième édition du traditionnel dialogue politique entre le Bénin et l'Union européenne. Et après les échanges dans la matinée, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a fait le point des travaux et dans l'après-midi. C'était à la faveur d'un point de presse au cours duquel le patron de la diplomatie béninoise a affirmé que ces assises viennent raffermir les relations de coopération entre les deux parties. Et nous allons écouter ici Aurélien Agouenossi, si tout va bien. Vous savez que votre pays, le Bénin, va avoir une élection présidentielle le 11 avril. Et conformément à nos dispositions, nous devons faire une mission préélectorale d'évaluation. L'objectif étant d'aider le pays à avoir des élections qui se passent dans de très bonnes conditions, qui soient crédibles et qui soient transparentes. Cette démarche, on l'a faite dans tous les pays où nous avons eu des élections. Au cours du dernier trimestre de l'année 2020, vous savez qu'on a eu des élections au Burkina, en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Ghana et au Niger. Donc c'est toujours la même démarche. Et nous venons donc dans le pays, nous rencontrons l'ensemble des acteurs, les acteurs étatiques qui sont chargés de la mise en œuvre de la préparation des élections, mais également les acteurs politiques, la société civile, les partenaires au développement. Nous rencontrons toutes ces parties. Quand nous arrivons dans un pays, la première personnalité à qui nous rendons visite, c'est le ministre des Affaires étrangères. C'est la porte d'entrée. C'est lui qui nous accueille et c'est lui qui nous, si vous voulez, ouvre la porte un peu pour effectuer donc cette mission. Donc, c'est ce qui vient de se passer. Je lui ai indiqué que le climat ici est à la sérénité, que le gouvernement se réjouit de l'arrivée de cette mission, que le président de la République, le président Patrice Talon, a donné des instructions très claires et très fermes, j'allais dire, pour que tout soit mis en œuvre pour faciliter cette mission, qu'il ne soit navoïne et dans l'intention de personne d'empêcher une mission de la CEDEAO de rencontrer qui que ce soit. Nous sommes un membre majeur de la CEDEAO. Et nous réjouissons que ce que nous faisons, les réformes que nous conduisons, ce processus électoral qui commence après le premier mandat du président, ce processus se déroule dans de bonnes conditions et que le monde entier, à commencer par notre famille politique sous-régionale, celle de la CEDEAO, puisse être bien informé. Voilà, c'était Aurélien Agbenossi, ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Vous avez suivi plus tôt le séjour de la mission de la CEDEAO dépêchée à Cotonou, une mission préélectorale qui a été dépêchée à Cotonou pour suivre le processus électoral pour ce qui concerne bien sûr la présidentielle d'avril prochain. Nous allons revenir sur l'élément de la sixième édition du traditionnel dialogue politique entre le Bénin et l'Union européenne. Après les échanges, je vous le disais, dans la matinée d'hier jeudi, eh bien, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a fait le point des travaux dans l'après-midi. Et c'était au détour d'un point de presse au cours duquel le patron de la diplomatie béninoise a surtout affirmé que ces assises sont venues raffermir les relations de coopération entre les deux parties. Eh bien, si les dieux de la technique sont avec nous, nous allons suivre à nouveau Aurélien Agbenossi. Nous allons en passer à un autre élément et de la politique à la santé. Eh bien, les cas de personnes atteintes à la COVID-19 augmentent de façon exponentielle au Bénin ces dernières semaines. Cette information, nous la tenons du ministre de la Santé qui a donné un point de presse dans l'après-midi d'hier. Et selon l'autorité, les chiffres inquiétants sont enregistrés avec le nombre de cas doublé au cours des trois derniers mois. Benjamin Mpati. Depuis 6 semaines, à l'instar des autres pays de la sous-région et du monde,
Le Bénin est confronté à une recrudescence du nombre de cas dans un contexte d'apparition de variants plus contagieux. Ainsi, depuis le 1er janvier 2021, le nombre moyen de cas confirmés par jour a quadruplé, passant de 8 à 34, et ces trois derniers mois, le Bénin a enregistré autant de cas que pendant les 9 premiers mois de l'épidémie, 2726 cas le 1er novembre 2020 et 4625 cas au 9 février 2021. Le nombre de cas graves suit la même tendance. À la date du 9 février 2021, le Bénin compte donc 4625 cas confirmés à la PCR, dont 3781 guéris, 732 patients en cours de suivi, dont 66 cas graves et 13 décès enregistrés en 40 jours, portant à 56 le nombre de pertes en vies humaines liées à cette pandémie au Bénin. Mesdames et messieurs, il est important de porter à votre connaissance une situation qui mobilise le corps médical ces derniers jours. Il s'agit d'une augmentation du nombre de cas graves et de décès enregistrés dans le rang de sujets jeunes et a priori sans antécédents médicaux particuliers. Ce phénomène nouveau nous interpelle et démontre à suffisance que les personnes porteuses de facteurs de risque que nous connaissons, déjà âge supérieur à 60 ans, diabète, hypertension artérielle, accident vasculaire cérébral, drépanocytose, obésité, asthme, autres maladies cardiovasculaires ayant consulté tardivement, ne sont plus les seules cibles les plus exposées aux formes graves de la COVID-19. Les jeunes le sont également et peuvent développer des formes complexes. Dans le souci de maîtriser la situation épidémiologique, il est plus que jamais impérieux que les dernières mesures prescrites par le gouvernement fassent l'objet d'un respect strict. Il s'agit notamment de l'interdiction des manifestations festives et autres rassemblements non encadrés à grands effectifs. En dehors de ces mesures barrières, il est également impératif pour réduire l'impact de la présente vague de l'épidémie qui semble plus contagieuse et plus virulente, de recourir promptement à la consultation précoce ou d'appeler le numéro vert 136 au moindre signe faisant penser à la COVID-19 ou assimilable à des signes de grippe ou de paludisme. Mesdames et messieurs, c'est le lieu pour moi de rappeler à nos concitoyens que la pandémie n'est pas terminée alors que la vie semble avoir repris son cours normal au Bénin. Ceci résulte d'une mauvaise appréciation de la situation par les uns et les autres. Nous devons donc rester conscients que le mal est encore présent et rester vigilants. Ce, d'autant plus que les variants du virus se révèlent encore plus dangereux. Nous devons plus que jamais redoubler d'attention et de discipline pour venir à bout de la COVID-19. Voilà, professeur Benjamin Mpati, ministre de la Santé. Très chers téléspectateurs, vigilance donc. Culture à présent avec l'artiste chanteur du R&B Singela qui sera en concert à Cotonou demain samedi dans le cadre de la célébration de la fête de Saint-Valentin. Il a foulé le sol béninois hier jeudi et l'une de nos équipes de reportage est allée à sa rencontre pour recueillir ses propos à chaud à sa descente d'avion. Écoutez-le. Ça fait très 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 plaisir. Ça fait un moment que je ne suis pas venu. J'espérais que le peuple de Cotonou m'aime toujours. Je suis très proche des Béninois et j'espère que, enfin je vois en tout cas à travers cet accueil que voilà, on partage le même amour et je sens que le séjour va très très bien se passer. Alors il y a plusieurs choses qui vont se passer. Déjà, je tiens à vous dire que mon album sort demain, donc c'est à Cotonou que je lance mon nouvel album, Dr Love. C'est la première fois que je lance un album en Afrique et ça va se passer ici, sur le sol béninois. Je vous remercie déjà, je remercie tous les médias qui sont là pour
assurer la promotion de mon travail, mais aussi je suis venu pour un concert. Je suis venu pour un concert qui a lieu au Canal Olympia le 13 février, donc la veille de la Saint-Valentin. Donc le Dr Love va venir chanter l'amour pour le Bénin le 13 février. Tu as toujours été belle, tu as au moins ça pour toi. Tu étais naturelle, je te préférais comme ça. Aujourd'hui, je peux plus t'appeler, même moi je ne peux plus t'appeler. Personne ne peut plus te parler, tu es la femme de quelqu'un. Voilà. C'est bon. Merci. Voilà, c'est juste un avant-goût. Singula sera donc en concert ce week-end à Cotonou. Un concert qui sera couplé avec le lancement officiel, vous l'avez compris, de son nouvel album intitulé Dr Love. En prélude à l'événement, l'artiste a animé une conférence de presse dans la mi-journée de ce vendredi pour tenir informé le public. Faisons ici le point de cette sortie médiatique avec Ali Moumouni. Le Bénin est le pays sur lequel... Devant micro et caméra, Singula évoque les raisons de sa présence à Cotonou. Il dit y être pour un double événement, deux concerts et le lancement de son nouvel album intitulé Dr Love. C'est un album très mélodieux. Au niveau des thématiques, comme l'indique le titre Dr Love, ce seront des thèmes qui vont vous aider pour votre quotidien en amour, pour soigner vos problèmes, vos peines de cœur. Et surtout que nous sommes quasiment à l'aube de la Saint-Valentin, donc c'est le moment de se rapprocher, de s'aimer en musique. Se rapprocher et s'aimer en musique avec un album de 12 titres qui offre aux mélomanes un mélange de styles afro et dans lesquels sont intervenus des artistes comme Koffi Olomide, Fally Ipupa, Charlotte Dibanda. Mais pourquoi avoir choisi le Bénin pour la sortie officielle? J'ai eu la chance, en venant une fois, je pense que c'était au Togo, de visiter un musée qui m'a fait découvrir l'Empire de Dahomey, c'est ça? Et c'est à ce moment-là que moi, j'ai su que ouais, nous aussi, on a des empires. Nous sommes des fils d'empereurs. Et pour sortir mon projet, justement, il fallait que je le fasse sur cette terre. La terre béninoise, donc, pour lancer Dr Love, un nom derrière lequel se cachent beaucoup d'anecdotes vécues par l'artiste avec les femmes. Des anecdotes, j'en ai beaucoup. Ça m'est déjà arrivé de rentrer dans ma chambre d'hôtel et de voir qu'il y avait une femme qui m'attendait. Bon, il m'est arrivé aussi qu'une femme, elle était avec son chéri, et quand elle m'a vu, elle a fait « Ah, Singula, je t'adore, c'est sur toi qu'on m'a déviergé. » Mais et son gars l'a regardé comme ça parce que c'est pas lui qui... et ça l'a... Ça ne la dérangeait même pas une seconde de parler de ça devant machin. Bref, des situations avec des femmes, j'en ai énormément. Dieu merci, je suis quelqu'un de sage. Une sagesse qui sera alliée au charme de Singula pour deux concerts prévus pour ce week-end avec la participation de quelques artistes locaux. Les organisateurs ont d'ailleurs accompagné l'artiste dans cette sortie médiatique. Comme je disais, c'est le groupe Empire avec en support Universal Music Africa. Et on aura deux jours de spectacle, dont un à Canal Olympia demain et le second à Family Beach lors du brunch avec toute la crème de la musique béninoise et Singula. Et ce sera une belle fête. Ce sera une belle fête qui sera très très bien organisée, sécurisée. Pour le bien-être de chaque personne qui va venir. Donc si les gens ont l'impression que les équipes sont un petit peu strictes ou un peu dures, ce n'est pas contre eux, c'est au contraire pour leur bien. Sécurité et le strict respect des gestes barrières à la COVID-19. Et les prémices de ces mesures sanitaires, les voici déjà à la conférence de presse. Avant que les conférenciers ne plongent devant hommes et femmes des médias, les lieux ont été soigneusement désinfectés. Voilà pour mesures de sécurité sanitaire surtout. Le rendez-vous est donc pris pour demain samedi, ce sera à 18h à Canal Olympia. C'est l'essentiel à retenir ce soir justement de l'actualité sur Canal 3 Bénin. Le journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction qui, par ma voix, vous remercie de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes. Moi, je vous retrouve demain samedi, si Dieu nous prête vie. Bon début de week-end à toutes et à tous et à demain.